une balle blanche et une balle jaune au logo du golf de Barbaroux. Bonjour à tous, bonjour les golfeuses, bonjour les golfeurs. Ben, on se retrouve aujourd'hui pour un petit 9 trous. Alors, on est sur le golf de Barbaroux et j'ai réussi à passer entre les gouttes. On a une journée un petit peu nuageuse, mais là, vous voyez que le ciel est bien bleu. Donc aujourd'hui, sur ce 9 trous, comme je n'aurai pas le temps de faire 18, je vais faire un scramble à deux balles. Une balle blanche, TaylorMade, et une balle jaune, Titleist, au logo du golf de Barbaroux. Voilà, on va voir ce que ça donne, en sachant que la dernière fois, après le confinement, j'avais fini sur les 9 trous en plus 17. On va essayer de faire mieux sur ce scramble. Donc les premières balles, on va un petit peu les attaquer. Hein. Donc là, on va partir sur la première balle au drive. On voit ce que ça donne et en fonction de ce que ça donne, on voit comment je joue la deuxième balle. Allez, c'est parti. Alors, le trou numéro 1 de Barbaroux, il fait 315 mètres, c'est un par 4. Bon, il y a l'eau à survoler, hein, vous le savez bien. Donc en premier, je joue ma balle blanche, je vais la driver. En jouant un peu en sécure quand même sur la gauche, je ne vais pas attaquer directement l'eau. Et puis on va voir ce que ça donne. Je m'oriente par rapport au piquet rouge là-bas. Alors, il faut savoir que j'ai pu quand même un petit peu m'échauffer ce coup-ci. Donc, allez, monter. Allez, monte, monte, tombe, tombe. Elle va être courte, elle va être courte. Ouf, ça va. J'ai une balle en jeu. C'est déjà bien. Elle est montée bien en cloche. Mais bon, pour la deuxième balle, la balle jaune, je vais jouer un hybride. Ce qui va me permettre quand même de voir, de pouvoir comparer. J'ai réussi à passer mon drive. Mais je vais un peu essayer de forcer pour aller faire plus de distance. Et voir un petit peu ce que ça donne. Monte, monte. Allez, pousse, 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 pousse. Mais perdu. Ça va aller dans l'eau. Donc on va jouer à mon driver. Je suis content de vous retrouver. Voilà, j'avais fait juste un vlog après le confinement. Puis après, on a vraiment eu un temps pourri. Même dans le sud, ouais, il n'a pas fait beau. Là, par contre, voilà, il fait des petites éclaircies. Hein, je vous montrerai au fil du parcours. Et je me suis dit, vu que j'attaque en début d'après-midi, que je n'aurai pas le temps de faire 18 trous, ben on va faire un scramble, donc deux balles. Balle jaune et balle blanche. Voilà, ma balle est là sur le fairway. Je suis encore à 245 mètres. Ben, premier coup, je vais jouer un... Elle est un peu enfoncée dans un trou. Donc j'ai plutôt joué un hybride plutôt qu'un bois 3. Et on verra ce que ça donne en distance. Et après, je jouerai mon... au cas où un fer. Ouais, je suis pas mal. Voilà, on va voir avec ma balle jaune. Alors balle jaune, je pourrais tenter un bois 3, faire plus de distance, ou en faire 5. Je vais faire un bois 3, puisque mon coup d'hybride est bien placé. Donc bois 3. Ah oui, pas mal, sauf que je vais être bunker. C'est ça, je suis bunker. Deuxième coup, ben, deux jolis coups, hein, un hybride pour assurer. Je me suis mis, je pense, à une cinquantaine de mètres du drapeau. Et le deuxième bois 3, j'ai fait peut-être un peu plus de distance, mais je suis dans le bunker. Donc je pense que je vais jouer ma balle blanche, voilà, mon hybride. Bon, c'est mon premier coup qui n'est pas très bon, ce qui fait que je ne peux pas avoir le green en régule, mais bon, si je l'ai en 3, ouais, ça peut être bien. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, il fait, vous voyez, un temps qui se dégage, c'est cool. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme tout le monde vous le dit. Ça nous permet de nous référencer, nous les vlogueurs, voilà, ça fait surtout plaisir. Je fais vraiment ça pour le kiff, c'est cool. Ma balle jaune est là dans le bunker, je suis un peu plus près, mais bon, je vais jouer sur le fairway. Voilà, le drapeau est à 70 mètres. Je vais jouer un 56. Ah, un peu topé. Je vais être long. Ça là va être longue. Je suis long du green.
Ah, je vais être court. Dans le trou. Ouais. Pas très beaucoup de sandwich là. Ma balle jaune est là un peu dans le trou, alors que j'ai la balle blanche là-bas qui est en pré-green. Je vais jouer la balle blanche. Un peu des feuilles. Allez, on va l'assurer pour le bogey. Ça descend bien. Allez, roule, 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 roule. Oh, je suis court. Je suis court. J'essaie de jouer un peu plus fort. Ouais, ça sera mieux. Allez, on va jouer la jaune. Ça descend, hein. Fou, fou, fou. Parce qu'il faut quand même assurer derrière. Allez, ben ça sera un double pour commencer. Voilà, double bogey. Trou numéro 1, dommage le départ et l'approche qui me fait un double bogey. Voilà, on va attaquer le trou numéro 2. Voilà, le soleil est sorti, on va se régaler. Allez, c'est parti pour ce trou numéro 2. Je vais driver la balle blanche. Et en fonction de ce que ça donne, après je ferai un hybride ou un bois 3 sur la balle jaune. Trou numéro 2, bon, il faut jouer dans cette zone, par 4, 308 mètres. Je vais driver la balle blanche, pas de souci particulier, mais il ne faut pas se laisser, hein, comme d'hab. Allez, de toute façon, en ce moment, ça va bien. Reste, reste. Ouais, je suis un peu à droite là-bas. Je vais jouer un bois 3 sur ma balle jaune. Elle tourne comme la balle. Hop, je pense que je vais... Ouais, je suis un peu plus à droite encore. Mais je pense que... Je vais jouer le drive, la balle blanche. Pas deux super coups. Slicer les deux, un peu moins au drive. Donc je vais être un peu moins à droite que mon bois 3. Donc... Je pense que je vais jouer ma balle blanche. Bon, il fait bon là, oh, il fait beau. Alors, petite pub sur le groupe Facebook, les vlogs golf francophones. Allez-y, tous les vlogueurs sont dessus, on met nos vlogs en ligne. Il y a même une carte réalisée par Mathieu de Viens Golfer, où vous retrouvez plus de l'ensemble des vlogs qui ont été tournés. Je crois qu'il y en a plus de 600. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page, on est déjà plus de 400 membres, ça fait plaisir. Voilà, abonnez-vous également à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à toutes les chaînes YouTube des vlogueurs, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, voilà. Oh, le soleil est de la partie, je pense que là, je vous cache un peu le soleil. Mais bon, ouf, le golf, c'est un pur bonheur. Donc j'ai une balle ici, le drapeau est là-bas derrière, ma balle est là, et l'autre balle, ma balle jaune est ici, encore plus à droite. Voilà, donc je vais jouer à balle blanche. Ouais, je suis au poteau des 135. Je vais jouer tranquille un fer 7. Ouais, elle est pas mal. J'espère qu'elle est restée. Non, pas mieux. Je pense pas super ce coup d'hybride. Ouais, bon, deux coups pas très très bons. Je pense peut-être meilleur mon fer 7. Je me suis rapproché. Ah, c'est même pas dit parce que vous allez voir. Le jeune qui est là, elle est plus loin que ma balle blanche qui est là. Là, mais je me retrouve sous une butte et ça risque d'être plus compliqué à jouer. Donc je vais jouer la balle jaune. Drapeau à 105 mètres. Ah, je suis parti à droite là, et oui. Oh, ça va, elle retombe. Je suis derrière. Oui, mal orienté. Mieux. Je suis long même. Non, bon kick. J'ai un bon kick qui l'a ramené sur le green. J'ai ma balle blanche là,
sur le green. Et ma balle jaune était arrivée ici dans la butte. Est arrivée là dans la butte. Avec la balle blanche là en bas. Donc on va jouer ma balle blanche. J'ai un putt pour le par. Faut quand même assurer le bogey sur celui-là d'abord. Bien, bogey donné. Au moins le bogey est donné. Ah ! Bogey, son numéro 2. Pas mal, j'ai assuré mon putt. Bon, j'aurais pu essayer de forcer pour le rentrer. Mais j'ai assuré le bogey, c'est bien. Voilà, je suis à plus 3 pour l'instant. Allez, on continue, trou numéro 3. Ce fameux par 5 en descente. C'est parti, on va driver les deux coups. Allez, trou numéro 3, on drive. Première balle. Elle me plaît bien celle-là, elle y sera. Elle va prendre la roule sur le fairway. Ah, elle est belle, ça, elle est plus droite encore. C'est bon. Les deux sont sur le fairway. Trou numéro 3. Deux beaux drives. Le premier légèrement slicé, mais je dois être sur le fairway. Et le deuxième impeccable. En plus, il a dû prendre la pente. Donc je dois vraiment être bien. Voilà, et là, il fait vraiment bon. Belle journée, belle fin de journée. J'espère arriver à faire les 9 trous avant la tombée de la nuit. J'essaie de garder un bon rythme. En plus, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui arrive derrière moi. Vous voyez la balle blanche qui est un peu slicée là à droite. Et ma balle jaune qui est impeccable en bas. Voilà, là. Là, super. Ma balle jaune. Et la balle blanche est là. Allez, on va jouer la balle jaune. Voilà, on va viser la mire qui est là. Coup d'hybride sur ce premier coup de balle jaune. Ah non, topé. Elle va être juste là. Balle blanche. Elle va jouer un bois 3. Ah, elle est belle. Superbe celle-là. Celle-là, je pense, elle est dans le trou en bas. Très beau coup de bois 3. Ben, en fait, je ne suis pas arrivé dans le trou en bas. Je suis là, près de la tropézienne, barbacane, berlinoise, tout ce que vous voulez. C'est pour Thomas Nuzacci, ça. Le drapeau est à 120 mètres. Descente, on va jouer tranquillement. Faire 7. Pareil. Je pense que les deux sont quasiment identiques. Peut-être jouer la balle jaune, je suis plus à plat. Donc ce serait pas mal de faire approche putt pour viser le par. Roule. Pour la pente. Oh oui, oh celle-là elle est belle. Hop là, topé celle-là. Celle-là va être longue, quoique plus longue. Ouais, je pense qu'on va rester sur la jaune. Il reste encore un bout de chemin, mais descente, l'autre en montée, mais on va jouer plutôt la balle jaune. Oh là là là. Allez. Bogey. Donc bogey sur le trou numéro 3. On va attaquer le trou numéro 4. 154 mètres. Mon trou préféré. Celui où je fais le par le plus rapide. Bon, le drapeau est là-bas. Faire 6 pour la balle blanche. À droite. Dans les arbres. Perdu. Celle-là, elle est claquée, celle-là. Elle est claquée, celle-là. Je suis même long. Elle est claquée. Bogey sur le trou numéro 3, le par 5. Assez content. Ah, dommage que ce putt rentre pas. Par contre, la trou numéro 4, après la première balle slicée complet dans les bois, j'ai claqué un fer 6 sur la balle jaune. Ouf. J'espère même que je ne suis pas trop long. Je suis arrivé. Je pense que le green, il y a deux plateaux. Il m'a peut-être ramené sur le bon plateau. Voilà, on va voir ça. Alors, je suis content, j'ai retrouvé ma balle blanche. Bon, elle était dans les bois.
Par contre, comme je vous le disais, la balle jaune, voilà, elle a pitché là. Voilà. On va relever son pitch, bien sûr. Et elle a fini là. Voilà. Ça peut être pour birdie en descente, ou au moins sur elle part. Je relève mon pitch d'abord. Il faut assurer le par. Ça descend. Par contre, ça roule pas. Ça n'a pas roulé. Dommage. Allez. Pardonnez, j'espère. Allez, un par. Le par sur ce trou numéro 4, il me réussit bien. Voilà. J'étais dommage un peu long, j'étais un peu long pour faire le birdie, mais voilà. Alors, on arrive sur le trou numéro 5. Celui-là, il est mortel. C'est le handicap 1. Et en plus, vous tapez une montée pour y arriver. C'est vraiment raide. Raide. Par 5. Allez, on va faire deux drives. Trou numéro 5, le handicap 1. Bon, mais il faut jouer là. Un drive dans le fairway, il faut le mettre. Reste. On va la tourner, redescendre dans la pente. Oh là ! Ah non, celle-là. Je la retrouve en bas, mais... Oh. Allez, prends ma balle blanche, mon premier drive. Par 5 très compliqué, on va jouer. Je vais assurer un fer 7. Ouais, pas super, j'ai mal placé. Pas un bon coup là. J'ai pas trop avancé. Là, il faut vraiment que je me sorte de là. J'aime vraiment pas ce trou. Voilà. Voilà, elle est bien. Elle est sur le plateau. Alors, je vais jouer ma deuxième balle. Donc, je joue un hybride sur ma deuxième balle pour essayer de faire un peu de distance. Non. Bon, on va jouer le fer 7. Troisième coup, je me suis mis sur le plateau. Il me reste encore 200 bons mètres, mais bon, au moins je suis là. Ouais, sauf que je suis bien à la droite là-bas. Bon, mon hybride est bien là-bas. Je vais jouer un bois 3. Non. Non, j'ai du mal à jouer le bois 3. Trou numéro 5, handicap 1, toujours très compliqué. Je l'aime pas. Oh là là. Spécial dédicace à Marc, il l'aime pas aussi. Voilà. Il m'en est arrivé tellement sur celui-là. Hein, Xavier? Voilà, donc je l'aime pas trop. Bon. En 3, je suis là-bas, ouais, un peu à droite. Bon, je vois mon coup d'hybride. Voilà, on va récupérer ma balle blanche et on va y aller. Drapeau est là-bas et moi je me suis mis derrière la butte, à droite sur ce quatrième shot. Je vais faire 9. 110 mètres. Ah non, je la gratte. Ah, la branche. Oh là là. Oh, je suis pas passé l'arbre là. Oh, galère. Bon, bah, galère parce que. Voilà, j'ai même pas passé. Même mon deuxième coup, il part bien. Je prends la branche. Je finis là. Ma balle jaune est là-bas. Là, on est sur le trou numéro 5 compliqué. En plus, il y a un peu la fatigue du. Je suis parti un peu à fond et. Voilà. Allez. On va assurer là. Allez, ne pas faire une catastrophe sur ce trou. On va essayer d'assurer tout ça. J'ai 80 mètres. Je joue un 52. Oh non, mais oh, qu'est-ce que je fais là? C'est pas possible là. Oh là 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 là. Même en scramble, c'est compliqué. Hein. Ce trou là. Mieux. Mais bon. Je suis court. Je compte plus là.
mieux. Voilà, ça c'est de l'approche. Voilà, là je me suis mis donné. Allez, triple bogey. Trou numéro 5. Pff, même en scramble de balle, compliqué. Je fais 8, un triple. Pff, mal joué, je l'aime vraiment pas, celui-là, vraiment pas. Pff, tu vois la tête du mec dépité là. Pff. Bon, je suis à plus 7. Hein. Double bogey, bogey par triple. Bon, voilà. Bon, c'est pas mal. On va essayer d'assurer sur les 4 derniers. Allez, bon, et n'hésite pas hein, si ça te plaît. Bon, bah, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes. Comme on dit, moi ça me fait plaisir, ça me référence. Tu vas sur le groupe des vlogs golf francophones, tu vois d'autres collègues qui vloguent. Eux aussi, ils sont un peu partout. Dans l'Est, dans le Nord, en Île-de-France, à Lyon, dans l'Ouest, dans le Sud-Ouest, Bretagne, Normandie, un peu partout. Voilà, il y a tous les golfs. Tu veux un golf, tu nous demandes, on va le vloguer. Nous, on est comme ça, peur de rien. Allez, on va sur le trou numéro 6. Trou numéro 6, par 4, de 343 mètres. Allez, on va driver ça. Je la top un peu, mais elle sera là, elle sera à l'entrée. Elle est claquée, mais par à droite. Bon, deux drives, un assez droit, court, je vais le jouer, la balle blanche. La jaune, elle a bien slicé, elle a bien été claquée, mais elle a un peu tourné, partie dans les bois. On va jouer la blanche. Voilà, je pense un bois 3 ou un hybride. Ouais, je suis plein fairway, donc un bon bois 3. Bon, je suis un peu mort. Bah, j'ai dû courir là pour aller chercher mon head cover. Allez. Ouais, bon kick. J'ai eu un bon kick là. Mieux. Ouais, un autre bon kick. Plein milieu de fairway. Il y en a qui vous disent que le golf c'est pas du sport. Ah, j'ai dû courir parce que j'avais perdu au départ mon protège bois 3. Donc une petite course, parce que comme j'ai du monde derrière, et hop hop hop, et ensuite on chauffe, et ensuite on tape deux bois 3, deux bons bois 3, voilà, un qui est plein axe. Voilà, c'est bien. Je suis bien content, c'est deux coups là. Allez, regardez, je vous montre où ils sont. Voilà. Le premier a eu un bon kick, il a été ramené là. Et l'autre est plein fairway. Voilà, là. Encore 170 mètres. Dur. Ça va être dur d'avoir le... Je vais en faire 6. Oui, bien claqué encore, bien claqué celui-là. Ah oui, je suis sur le green. Je suis sur le green. Allez, on remet la même. On va essayer d'être mieux. Je suis un peu plus court celle-là. Et les divots, on les remet. Alors vraiment très content de mon bon mes deux coups de fer 6. Surtout le premier, vraiment bien claqué. Donc il y a 177 mètres, je pense que je fais 170 mètres et je suis sur le green. Je l'ai claqué comme tout à l'heure au trou numéro 4. Vraiment, vraiment, mais vraiment content. Mes deux coups de fer 6. Voilà mon deuxième coup là, le green est juste là. Et vous voyez là-bas ma balle jaune sur le green. Regardez où elle a pitché. Pile ici. Voilà, lancer de relève pitch, loupé, et voilà, maintenant on va putter pour le par, et on va surtout assurer
le bogey. Je relève le pitch avant. Pas trop, descend pas trop. Oh, elle est belle celle-là, elle y va. Off. Off. Oh là là. Je suis pas passé loin. Faire le pas, j'ai pas assuré le bogey. Allez, double bogey. Dommage. 6. Trou numéro 6. Double bogey. Donc je suis à plus 9. Mais alors quel coup de fer 6 sur le green. Après je me mets un peu loin du drapeau, c'est sûr. Donc après je fais 3 putts. Là j'aurais dû peut-être en faire 2, assurer mon premier putt. Mais bon. Allez, trou numéro 7. Allez, trou numéro 7. Par 4, 249 mètres. Bon, on va le driver. Attention à la forêt. Et voilà, je suis parti en plein dedans. Alors, deuxième coup, on va assurer à l'hybride. Reste, reste là. Voilà, plein fairway. Trou numéro 7, mais comme d'hab, hein, premier coup de drive, je slice dans la forêt. Et deuxième coup d'hybride, voilà, faut que je joue l'hybride sur celui-là. Je me place bien, je vais être une centaine de mètres maintenant du mât. Voilà, je suis sur le fairway, je vois ma balle là, je suis très bien. Voilà, il fait toujours beau, beau soleil, voyez. Et on est bien, on est à Barbarou, on est bien. 120 mètres. Là, je vais faire 7. Ouh, je suis à gauche, mais bon kick. Je suis tombé dans le trou. Non, non. Topé, elle va y être, elle va être là-bas. Elle va être pareil. Dommage, un peu à gauche. Mon premier coup de fer 7. Mais bon, je suis bord de green, je pense que je vais approche putt pour essayer de faire le par. Allez, ça serait bien sur ce trou-là. Alors en fait, je viens de me rendre compte, j'ai joué deux balles jaunes. Elles sont arrivées les deux au même endroit. Voilà, bon, ma première est celle-là. On va la jouer, je vais reprendre une balle blanche. Celle-là, elle est belle. Oh là 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 là. Oui. Un par. Par. Je reste donc à plus 9. Voilà, bon par sur le trou numéro 7. Voilà, c'est content. Voilà, je suis satisfait. Reste à plus 9. Reste 2 trous. Bon, je devrais améliorer mon score plus 17. Voilà, plus 9, je suis niveau bogey, un scramble. Voilà, bon, encore des coups à éviter, des grattes, des tops. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, je kiffe. Ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Voilà, ça fait vraiment du bien, c'est cool. Voilà, ça, n'oublie pas, ça détend. Espérons qu'on ne soit pas reconfinés, qu'on puisse encore continuer à jouer. Voilà, je pense à tous ceux qui peuvent aller jouer. Voilà. Prenez, profitez, voilà, le score on s'en fout. Voilà, profitez vraiment du jeu. C'est le plus important. Voilà, avec respect et humilité, on dirait Thomas. Mais bon, voilà. Allez, trou numéro 8. Par 3. On va essayer de le claquer comme tout à l'heure, comme le par 4. On va jouer un fer 5. Parce qu'il est assez loin. Oh, pff. Ah, pff. Reste, reste. Ah, elle est descendue en bas. Allez. Elle a joué d'en bas, pas beaucoup là. Bon, trou numéro 8. Alors, très mauvais premier coup, deux mauvais coups. Catastrophe.
Alors là, on va essayer de rattraper ce qui est rattrapable. Voilà, pour la sortir de là. Bon, ça va, je suis sur le green là-bas. Et celle-là aussi. Peut-être celle-là, les bunkers. Bon, voilà, au golf, ça va un coup. Et le trou d'après, ça va pas. Voilà, donc un premier coup loupé. Ensuite, je sors l'hybride. Je loupe à droite. Et slice, un mauvais kick. Je me retrouve en bas. Là, c'est une butte. Le green est sur une butte. Bon, voilà, j'ai joué deux coups de 60 pour monter. Voilà, ma balle blanche est sur le green, ça va. La jeune doit être dans les bunkers. Allez, on va jouer ma balle blanche. Alors, je suis loin. Long, long putt. Voilà, pas trop mal. Oh, je suis au même endroit. Oui. Sur mon premier putt, bogey. Content. Allez, bogey. On est à plus 10. Trou numéro 8. Voilà. Deux bons putts. Il n'y a que ça à retenir, peut-être. L'approche. Voilà, ça fait bogey. Il commence à faire un peu frisqué. Parce que le soleil tombe. Voilà, l'humidité arrive. Mais bon, c'est le top, voilà. Je vous l'ai dit déjà, abonnez-vous. Et le pouce bleu, comme les casquettes, le pouce bleu. Allez, on va sur le trou numéro 9. Je suis pas sûr de pouvoir tout filmer, je suis limite en batterie. Allez, on va voir. Ouais, celle-là, elle est belle. Elle tourne sur la fin, mais elle y est, elle est là-bas. Elle est mieux celle-là. Je suis plein fairway là-bas. Super. Très joli drive. Voilà, mon scramble à deux balles est terminé. Donc j'ai pas pu filmer le dernier trou 9. Je finis à plus 11. J'ai été assez content de mes coups de fer 6, mes hybrides aussi, mes bois 3, notamment sur le trou 9, je fais deux beaucoup de bois 3. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas, abonnez-vous, pouce bleu, allez voir le groupe Facebook des vlogs golf francophones. On se retrouve sur une prochaine. Hein. Allez, à bientôt, et puis profitez des vacances, joyeux Noël, bonne année, bonne fête, et surtout protégez-vous, vous et vos proches. Allez, à bientôt.